En présence du docteur Shakib Khlil, ministre de l'énergie et des mines, et des cadres du secteur, une cérémonie pour le lancement de la première session de formation sur la régulation du secteur électrique s'est tenue le dimanche 8 novembre 2009 à l'Institut de formation en électricité et en gaz à Ben Aknoun. Lancé par l'Institut algérien du pétrole, IAP, en partenariat avec la Florence School of Regulation, cette formation destinée aux managers et cadres du secteur de l'électricité a pour but principal le développement d'une bonne connaissance des différentes solutions technico-économiques pour la réforme du secteur électrique. Dans son allocution, Dr Shakib Khlil a relevé l'effort engagé dans la formation. La formation devient donc nécessaire et incontournable en tant que réponse pratique à de nouveaux besoins concrets de compétences. Elle demeure le moyen le plus approprié qui contribue au processus de transformation, car elle constitue en fait une réponse au monde en mutation dans lequel évoluent les institutions et les entreprises économiques. Elle a le mérite de préparer les individus à la gestion du changement et à une meilleure adaptation aux nouvelles situations professionnelles. Les autres sessions programmées pour cette formation, qui prendra fin en avril 2010, porteront sur la conduite, gestion prévisionnelle et investissement de la production électrique, gestion du transport d'électricité, planification et tarification pour le transport d'électricité et conduite et planification du réseau de distribution d'électricité. Les communications présentées lors de cette journée ont traité des thèmes suivants. La diversité des défis et variété des solutions possibles, la modernisation des industries électriques et leur adaptation aux défis du 21e siècle, et enfin, l'évolution du rôle de l'État dans l'expansion de la fourniture d'électricité en Amérique latine. Une table ronde avec les experts et les participants a été organisée, occasion d'échanger sur les questions de réforme de marché. Des débats riches en suggestions et idées ont marqué cette journée grâce à la qualité des interventions. انطلقت الدورة التكوينية الأولى حول ضبط قطاع الكهرباء يوم الأحد 8 نوفمبر 2009 بمعهد التكوين في الكهرباء والغاز ببن عكنون، وهذا بحضور الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم وإطارات القطاع. أطلقها المعهد الجزائري للبترول في إطار الشراكة مع مدرسة فلورنسيا للتحكم. يعنى بالدورة التكوينية كل من المسيرون وإطارات في قطاع الكهرباء، والهدف الأساسي منها هو تطوير المعرفة الجيدة والحلول التقنية الاقتصادية المختلفة لإصلاح قطاع الكهرباء. أوضح الدكتور شكيب خليل في خطابه على الجهود المبذولة في المعلومات. احنا يعني ندربوا كل أو نكونوا كل الإطارات باش يفهموا الأهداف ويعني يتفاعلوا مع هذا القانون ويطبقوه في الميدان. أما الدورات الأخرى المقررة لهذا التكوين والتي تنتهي في أفريل 2010 ستركز على القيادة، التخطيط الاحتياطي واستثمار إنتاج الكهرباء، إدارة نقل الكهرباء، التخطيط والتسعير لنقل الكهرباء، والتحكم والتخطيط لشبكة توزيع الكهرباء. تناولت العروض التي قدمت خلال هذا اليوم المواضيع التالية: تنوع التحديات والحلول الممكنة، ترقية الصناعات الكهربائية وتكييفها مع تحديات القرن 21، وأخيرا تطور دور الحكومة في التوسع في الإمدادات الكهرباء في أمريكا اللاتينية. نظمت مائدة مستديرة مع الخبراء والمشاركين لمناقشة قضايا الإصلاح في السوق. عرف هذا اليوم مناقشات غنية وأفكار تم اقتراحها، ويعود هذا لنوعية التدخلات المقدمة.